Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Pokémon Journée, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc j'espère que vous allez bien les amis, pour avoir ça super. Donc aujourd'hui on se retrouve pour cet épisode 19 sur ce let's play de Pokémon version Argent Soul Silver. Donc la dernière fois on s'était laissé à Doublonville, après avoir fait la tour radio. Donc aujourd'hui on va s'occuper du sous-sol les gens, donc j'ai pas eu vos retours de l'épisode précédent parce que cet épisode tourne à la suite de l'épisode 18. Donc j'ai pas eu le temps. Donc on va s'attaquer au sous-sol aujourd'hui les gars. Allez. Merde, c'est pas là, c'est là les mecs. C'est moi qui me souvenais plus trop. Ces membres de la Team Rocket, tout de noir vêtus, vont et viennent depuis tout à l'heure complètement affolés. Je me demande justement ce qui leur prenait. Ça veut dire que tu les as. Ah, quelle force tu as. Tu serais peut-être même capable de faire venir le légendaire faux. Oh, 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 ce n'est rien. Bien, je dois m'éclipser à présent. Allez, donc le sous-sol, il est là. Bleu. Attendez les gars, il se passe rien. Mec, attends. Il est pas censé avoir le rival qui me défie là. Non, franchement, parce que je connais à peu près le jeu, mais je croyais que le rival il venait me défier. Hein. Bon bah, il vient pas me défier, il vient pas me défier. Tant pis pour lui. Hein. Je m'en fiche. Si tu ne sais pas par où aller, si tu viens ici, tu dois... t'attendre aux conséquences. Ah merde, le jeu a crash les gars, le jeu a crash. Je reviens. Ouais, les gars, donc le jeu a crash. Donc voilà, je suis re-allé où on était. Voilà, donc Rattata niveau 27, ça c'est cool. Il y a un peu plus de level que dans la tour. Ça c'est vraiment sympa. Voilà. Ça fait quand même un peu d'XP, un tout petit peu même. Allez. Ah, c'est là qu'il vient. Je vous disais bien qu'il y a un moment où il venait. Minute. Ce que j'ai dit la dernière fois, c'était pour que tu baisses ta garde. J'espérais qu'en te suivant, je pourrais retrouver Spitter. Mais je ne l'ai toujours pas vu. Pff, bah tant pis. Je comptais me débarrasser de toi en second, mais l'ordre a changé. Allez. Mon petit Firo, t'es mort. On commence avec son petit Nosferalto niveau 30. Je sais que je pourrais sortir mon foire rampe et ça serait vite fait, mais je préfère prendre de l'XP avec Furisson. Quoique, en fait, j'ai rien dit, les mecs. Clairement, si on peut faire le truc très vite, je vais pas me priver. Allez, foire rampe. Un petit point éclair. Je sais pas si mon Faramp est plus spécial je sais pas s'il est plus attaque spéciale que attaque, mais je sais pas, j'ai voulu faire point éclair donc. Non, mais là ça me saoule en fait. Attends, je regardais 30 secondes. Capacité. Attends, point éclair déjà, ça fait 75. Et... Non mais de toute façon, y'a pas photo. Mais je vais quand même regarder ses stats. Il est plus attaque spé, donc faudra lui apprendre Fatal Foudre dans l'avenir. Donc il se prend mon statique. Moi je suis confus, est-ce que je vais pouvoir... Allez, je lance mon point éclair, et normalement il crève. Et c'est le cas, encore voir dans ce Ralto. Alligator, bah, on continue avec Faramp. Hein. Donc il est niveau combien le sien? Il est niveau 32. Ça va, franchement. Mania. Ah, ça fait mal, ça fait mal. Le coup critique. J'y vais avec... non, c'est enfer. Fait chier qu'il est pas direct toxique lui. Donc on lui met un nom de folie. Pour être minimum safe.
Et après on va faire vol, je pense. En fait, il connaît qu'une attaque ou quoi? Vol. Donc là, tu peux faire quoi là, hein? Allez, croix-givre dans ton cul, boum, vol. Ah, je lui fais mal quand même. Ça serait bien qu'il se blesse dans sa confusion là. Yes. On le finit avec un petit cruel. Allez, c'est parti. Non. De toute façon, il se blesse dans sa confusion. Bah. Allez, tueur. Au revoir. Forisson monte au niveau 35. Ébulilave, il peut apprendre. Ébulilave, ça fait quoi? Non. Attends, ne pas abandonner Ébulilave. Ébulilave, ça peut être pas mal comme attaque. Oublier une capacité, ouais. Donc, Ébulilave. 80. Des boules de feu s'abattent sur tous les autres Pokémon au combat. Peut aussi brûler. Mais c'est franchement pas mal. On va. Je pense qu'on va enlever Flamèche. On enlève Flamèche et on met Ébulilave à la place. Voilà. Magnéti. On va tester. On va tester de suite. Le petit Ébulilave. Ferrisson. Non, enfin une vraie attaque de type feu. Ok, Ébulilave. Allez. Et son magnétique est qu'au niveau 28, hein. Non, pas ça. Donc 534 d'XP, Spectrum, on continue avec Ferrisson. On pourrait prendre Nostanfer, mais on tente avec Ferrisson quand même. Voilà, c'est bon, on lui met quand même beaucoup de dégâts. Ballombre, c'est vraiment stylé comme attaque. Ça picote quand même. Allez, Spectrum et KO. Mine de rien, il me donne pas mal d'XP. Donc on a un Farfuré là. Donc Farfuré, un type glace ténèbre. Lui met un Ébulilave, ça devrait suffire. Je lui mets quand même du x2. Ah ouais, il est plus rapide que moi. Il est chaud. La feinte. Ah, il nous reste 6 PV. Donc là, on a le bonus de brasier. Donc logiquement, on le one shot. 903. Allez. Pourquoi je perds? J'ai récupéré les Pokémon les plus forts. Je retiens pas mes coups. Alors pourquoi? Je comprends pas. Peter aurait donc raison. Je ne gagne pas parce que je n'ai pas assez de considération et d'amour pour mes Pokémon. Je comprends plus rien. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Je serai le plus grand dresseur de Pokémon de tous les temps. Ok mec. Bon. Moi je vais aller au centre Pokémon vite fait. Quand même. Ça serait cool. Histoire d'aller se soigner un peu. Allez. Donc, on va au centre Pokémon, les gens. Bonjour, bienvenue au centre Pokémon. Nous pouvons soigner vos Pokémon. Voulez-vous les soigner? Ok, pas de soucis. Ok, je prends vos Pokémon un instant. Merci d'avoir attendu. Vos Pokémon sont en super forme. À une prochaine fois, peut-être. Allez, c'est parti. Donc les gars, on va aller. On y retourne et on fait. On va tous les défoncer un petit peu, hein. On va exploser les sbires de la Team Rocket. Clairement, c'est ça notre but. On les explose, on les humilie. Voilà. Espèce de Team Rocket. Hein ? Méchante Team Rocket. Allez. Donc. Quand on ouvre une porte, cela enferme une autre. Tu crois pouvoir arriver à ton objectif? T'inquiète, moi je suis un stratège, mon gars. Moi je suis intelligent, mon gars. Ouais. Gros tas de morve. Par contre, ton gros tas de morve, il m'emmerde.
Allez, Ebuli lave. Brûler. Ça a une forte chance de brûler, Ebuli lave, je crois. Enfin, pas forte. Non, mais genre, c'est quand même élevé, hein. Coup critique. Smogo. Et Bully Love. Furisson. Monte au niveau 36. Rattata va être envoyé par Rocket Spear. Allez, donc roue de feu. J'aurais pu mettre une bulle love, hein. Je pense qu'un roue de feu ça suffit pour un ratata quand même. Vous avez battu Rocket Spear. Zut de flûte, je suis perdu. Quoi? Furisson évolue? Yes les gars, voilà où je voulais en venir. Depuis le dernier épisode, je fais que XP Furisson juste pour ça en fait. Voilà, voilà, je voulais ce type Typhlosion les gars. Félicitations à votre Furisson évolué en Typhlosion. Allez les mecs. C'est génial ça. Un petit Typhlosion. Bon, maintenant qu'on a le Typhlosion, on arrête de le faire XP. On va s'occuper des autres un petit peu. On va s'occuper. Bon, Nidokings, il est bon. Aqual, il est bon. Roucoups un peu. Non, pas Roucoups. Faramp. Objet donné. Multi XP. Ah, allez. Donc, en fait, on fait quoi comme truc? Donc, on fait ça. Si je fais vert. Si je fais rouge. Quel intelligent! Quel intello, les mecs! Boum. Alors, on a perdu son chemin? Non. T'as pas l'air d'avoir peur. Attends, moi je vais t'apprendre ce que c'est la Terra. Ortil est envoyé par Rocket Spear. Point éclair. Ah merde. J'avais pas calculé les types en fait. Donc en fait contre un Ortide Roucoups, viens ici s'il te plaît. Tornade. Parasport, le gars est sérieux, mais non. Pas ce truc de merde. Allez. Méga sensu. Allez, tornade, on finit. Tu crèves, Ortiz. Allez, on voit. Putain, mais non, mais c'est mort, hein. Je refais pas un autre truc avec Roucoups. Dans cet enfer. Mais dans cet enfer, ça serait cool qu'il a. Est-ce que dans la 4G, il y avait déjà Acrobatie? Et je sais pas si. C'est peut-être la 5G Acrobatie. Je sais pas. C'est Acrobatie, c'est vraiment. C'est vraiment bien comme attaque. Allez, Faramp monte au niveau 31, ça c'est cool. Allez, comment oses-tu? Eh ouais, moi j'ose, voilà. J'ose te défoncer. Pokaboo trouve hyperbole.
Allez. On va par là. Halt! Pas un pas de plus. Pas de quartier pour mes adversaires, même les gamins. C'est bien, écoute. Hein. Allez, t'as quoi? Ratata? Ratata, allez, c'est un petit peu mieux quand même. Hein? Je me fous de ta gueule, tu vois. Croc de mort. Ça fait mal, ça, quand même. Bah, du coup, il se prend mon statique. Point clair. Je finis avec un petit éclair juste pour l'humilier, quoi. Parce que éclair, c'est un peu nul comme attaque, tu vois. Allez. Nosferalto. Bon, Nosferalto, il se fait one shot. Oh, ça aurait été sympa qu'ils soient niveau 30, comme ça, ça m'aurait fait un petit peu d'XP. Allez. 879 d'XP quand même, c'est pas mal. Donc les mecs, je vais quand même donner une petite potion à Pharan, on sait jamais. Vaut mieux prévoir que guérir. Bah là, là je guéris en fait, donc je sais pas ce que je dis en fait. Trouve huile max, ok. Bleu. Allez, toi viens ici. Comment t'as fait pour arriver ici? Bon, tant pis, je dois me débarrasser de toi. Smogo est envoyé par Rocket Spear. Faramp, allez, c'est parti. Point éclair. Smogo va être envoyé par Rocket Spear. Point éclair. Point éclair. Ah ouais. Trouve la CT blabla dodo. Qui es-tu? Tu es là pour me sauver? Merci. Mais et la tour radio? Que se passe-t-il là-bas? Quoi? La Team Rocket l'a investi? Investi? Je vois, tiens. Prends cette carte magnétique. Elle te permettra d'ouvrir la cloison du deuxième étage. Je t'en supplie, aide-nous. L'une de ces, ce qu'ils feront en contrôlant le transmetteur. Ils pourraient même manipuler les Pokémon grâce à un signal spécial. Tu es notre seul espoir. Sauve la tour radio. Le sort de tous les Pokémon est entre tes mains. Est entre tes mains. Non, le gars, il sait même plus lire. Pièce rune. Bon là on est... Merci de faire vos courses dans notre établissement. Quel étage souhaitez-vous vous accéder? Rez-de-chaussée s'il vous plaît madame. Rez-de-chaussée. Accueillez le principal. Allez les gars. Donc je pense que ça sera tout. Ça va être tout pour cet épisode, donc prochain épisode on finit. On finit cette histoire de Team Rocket hein. On finit la tour radio, on va passer par le truc du deuxième étage là, tout ça tout ça. Bon la team, je pense qu'on commence à être vraiment bien. Regardez ce que j'en pense vite fait.
Forum 32, Aqualie 33, Typhlosion 36, Nidoking 32, Roucoups 30, et Nostanfer 30. On est vraiment pas mal, les gars. Donc écoutez, les gens, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas à laisser un petit like si elle t'a plu, à laisser un petit commentaire. Et bien sûr, c'était Pokaboo et ciao ciao.